accélérer cette maudite procédure. Perturbation sismique sont suivies. La trajectoire. Thank you.
Nautilus fasse fondre la chair de vos os. Soit l'empereur. Votre blessure était fatale. C'est la chirurgie Rubicon qui vous a sauvé la vie. On vous a reconstruit. Vous êtes un Primaris désormais. Pourquoi ? Le seigneur Khalgar a donné l'ordre en personne. Il est là ? Non. Le Primarque l'a convoqué. Je dois retourner à la forteresse du Guet. Vous avez été réaffecté. J'appartiens à la Death Watch. L'Inquisition n'a décelé aucun vice en vous, Titus. Accusé d'hérésie, vous avez fait pénitence dans la Death Watch pendant près d'un siècle. Et vous n'avez pas failli une seule fois. Mais vous ne connaîtrez jamais la rédemption avant d'avoir affronté le jugement de vos frères. Faites enfin vos preuves, et vous serez parfaitement absous. Quelle est votre vie ? Mon honneur est ma vie. Quel est votre destin ? Mon devoir est mon destin. Quelle est votre crainte ? Ma crainte est d'échouer. Quelle est votre récompense ? Mon salut est ma récompense. Quel est votre office ? Mon office est la mort.
quel est votre serment ? Mon serment est le service éternel. La chirurgie Rubicon vous a reconstruit et vous êtes devenu un Primarius. Vous êtes désormais plus fort, plus rapide et plus résistant. Vous allez reprendre votre place au sein des Ultramarines. Vos frères sauront que vous avez servi dans la Death Watch. Mais la mention déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacée des archives. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des interrogations. Le Seigneur Khalgar vous a offert une seconde chance. Ne la gâchez pas. Le sergent Vintiad a sécurisé le port spatial et confié sa défense au cas du bon frère. Lieutenant. Cordanus, on a du travail. Réunissez le reste d'une escouade sur le pont d'envol. Oui, mon frère. Des éclaireurs pour rendre compte des forces. Monseigneur, lieutenant Demetriad Titus au rapport. Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures ? Ça va mieux. Je vais être franc, Titus. J'ai mes des réserves quant à votre réintégration. Elle va entraîner des questions, des doutes. L'heure n'est pas à la discorde entre mes hommes. Pas maintenant. Vous êtes lieutenant désormais. Ce ne sera pas un problème ? Non, capitaine. Très bien. On affronte une flotte ruche de tyrannides. Ils ont attaqué sur deux planètes. Avarax, un monde ruche, et Kadaku, que vous connaissez déjà. On abandonne Kadaku. Ce sont des installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus. On évacue le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à la circulation de nos vaisseaux. Les tyrannides l'ont bien remarqué. Rendez-vous là-bas, et protégez ces canons. Capitaine ? Vous m'avez demandé. Sergent, voici le lieutenant Titus. Il prendra les commandes de votre escouade. Chef, je... Soyez sur le terrain dans 30 minutes. Allez, rampez. Lieutenant, pardonnez mon hésitation. Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements. Moi non plus. Sergent Gadriel, l'absolveur est prêt pour le départ. Frère Chiron, voici le lieutenant Titus. Il va prendre la tête de notre escouade. Ah, vraiment ? Eh bien, je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Le reste de l'escouade est prête ? Elle est déjà réunie sur le pont. Bien. Nous partons immédiatement. Gardez vos distances avec la flotte ruche. N'attaquez pas.
Maintien de la distance. Explosif en attente. Salle de sport sur l'Ospex, en route vers Kadako. Transmission des données de télémétrie à nos forces terrestres. La flotte de la marine impériale fait feu sur les sports. Monseigneur, demande urgente de renfort en provenance des forces terrestres cadiennes. Consignez les demandes par priorité. Nous y répondrons dès que possible. Oui, monseigneur. Colonel Drury, vos demandes sont entendues. Vous devez continuer sans soutien à Astartes pour l'instant. Terminé. Akeran au sergent Tauros. Envoyez votre escouade dévastateur assister les postes antiaériens. Transmission des coordonnées. Passez-moi le colonel Vrakis par Vox. Monseigneur, je n'arrive pas à établir la liaison. Un brouillage ? Non, les canaux sont dégagés. Essayez encore. Seigneur, nos astropathes ont du mal à maintenir les communications longue portée. Les interférences de l'ombre psychique des tyrannides s'intensifient. Nous allons bientôt être coupés. Avarax doit avoir un relais. En effet. Et le cœur y est le plus grand. Réquisitionnez-le. Donnez mon autorisation. Quelle est notre mission ? Les Cadiens ont perdu le contrôle des canons orbitaux. Nous devons les recapturer. Ils les ont déjà perdus ? Les tyrannides lancent des vagues entières de sport vers ces canons. Je suis impressionné que les Cadiens aient tenu si longtemps. Frère Lyrio, Altareus et Elion composent le reste de notre escouade. L'un de vous a-t-il déjà affronté des tyrannides ? Juste ces deux derniers jours. Alors vous allez devoir apprendre. Ah, j'ai hâte. Chemin pas plus trouvé. Attention à la personnelle. Ces ogives ne sont pas bien attachées. Votre officier supérieur a plus d'informations. Dommage que les effets de la Montmiral n'aient pas fait un feu. Les membres de la Kiltil qu'on a trouvés sur Kadalou. Urgent. Mes frères, le lieutenant Titus nous a rejoints. Bienvenue, mon frère. Nous sommes sous vos ordres. Nous partons sur le champ. Oui, lieutenant.
Chef, vous avez servi dans la Death Watch. Oui. Ça a dû être un grand honneur. C'est un privilège de servir avec vous. Zone de largage en approche. On y va. Regardez ces clous de service. Notre lieutenant a plus de 200 ans. Il n'est pas primariste de naissance. En effet. Et il commande à votre place. Major Sarkana, 8e régiment Cadia. Major, faites-moi un rapport. Ces maudites créatures ont pris les canons orbitaux. Elles nous ont repoussés jusqu'à ce camp et préparent leur assaut final. Lyreo, prenez Altareus et Elion et restez ici pour protéger le camp. Oui, mon frère. Major, il faut atteindre les canons de défense. Oui, monseigneur. Suivez-moi. J'en reviens pas. La situation s'est détériorée. Ces infâmes gargouilles ont envahi le ciel. Les canons orbitaux sont aux mains des tyrannides? Oui. Ces attaques incessantes rendent toute forme de riposte difficile. Nous allons nous en occuper. Dégagez-moi.
J'ai besoin de munitions. La jungle jusqu'aux canons de défense orbitaux. Frère Lireo, aidez les Caniens à établir des lignes de défense, puis revenez au rapport. Oui, lieutenant, ce ne sera pas long. Les canons orbitaux sont situés de l'autre côté du marais. Soyez sur vos gardes. Les tyrannides nous attendent au tournant. C'est sans doute de là que vient la nuée. Ces carapaces répugnantes sont partout. Des machines organiques vivantes. Exact. Leur vaisseau, leur capsule, tout est vivant. Leur existence même est une hérésie. Nous devons réduire leur nombre sans tarder, mon frère. C'est parfait. Forge nous fait un superbe présent. Marauder, attention, soldat abattu. Le marécage peut atrocement. Certains d'entre nous ont coulé dans ces bassins stagnants. Étendue de l'infestation tyrannide encore inconnue. Les derniers relevés indiquent que Kadaku était proche du seuil d'Exterminatus. Si c'est effectivement le cas, je ne pleurerai pas ce monde. Il a déjà trop pris. Rechargement en cours. Et un rôdeur de boule.
de la part des Cadiens. La perte des canons orbitaux nous a coûté cher. Mais ils l'ont payé aujourd'hui. Mais les ennemis disposent encore d'une force considérable. Le huitième des Cadiens va devoir faire mieux. Connaissez-vous bien cette menace, mon frère ? Très bien. En quoi les tyrannides sont différents des autres Xenos ? Ils constituent un incessant fléau. Mais ils sont rusés. L'influence de l'esprit ruche leur permet d'agir à l'unisson. Voilà qui devrait servir. Prudence. Les spores explosent lorsqu'elles détectent une menace proche. Dans ce cas, nous allons prendre les devants et les détruire. Couvrez-moi, je recharge.
Le chemin le plus direct traverse les marais. Allons-y. Non. Ces marais sont infestés de Xenos. Il y a un bunker qui enjambe le lit de la rivière. Nous allons passer par là. Cela nous retarderait considérablement. Je suis sûr que... Nous ne sacrifierons pas la tactique au profit de la vitesse. À vos ordres. Lieutenant, le capitaine Akira nous a donné de nouveaux ordres. Vous devez continuer seul. Compris. Merci, Lirio. On se voit sur la résiliente. Faisons résonner le chant de la mort, cher ami. Rechargement en cours.
votre poste, soldat. Non, monseigneur. Jamais de la vie. On les a enfermés à l'intérieur. On ne peut rien faire de plus. Ouvrez les portes. Oui, monseigneur. Ouvrez les portes. Mais chef, vous avez dit que... Ouvrez ces foutues portes. Inversez les portes.
n'aurait jamais fait ça. Ça les rend plus faciles à tuer. Croyez-moi, ils peuvent se montrer bien vifs. Ah, j'ai hâte de voir ça. Major Sarkana. J'écoute. Nous avons rejoint l'une de vos escouades. Merci, Monseigneur. Je vais leur donner de nouveaux ordres. La voie est libre. En avant. Cette terreur. Je viens de me battre avec des spectres. Massacre, on dirait. Cela n'excuse pas la lâcheté. Voilà qui devrait servir. Ici le lieutenant Titus, identifiez-vous. Capitaine Eden, notre système de communication a été endommagé. Ils doivent être proches. Tenez bon, capitaine, nous approchons. Recharge.
installation se trouve juste derrière ces portes. Il doit y avoir une console pour les soutenir. Rechargement. Zarkana. Monseigneur. Nous sommes en contact avec le capitaine Iden. Iden? Je croyais qu'il avait disparu. Eh bien, nous approchons de sa position. Vous pouvez me le passer? Je m'en occupe.
communication est établie. Allez-y, Major. Capitaine Eden, je vous croyais mort. Mets-toi bien. Désolé de vous décevoir, chef. Vous êtes plus coriace qu'un grox, ma parole. Je vais prendre ça pour un compliment. Eden, nous devons reprendre le contrôle de ces canons orbitaux. Mes blindés sont prêts pour l'assaut. Occupez-vous-en, capitaine. Oui, chef. Ils vont apprendre à connaître la fureur des Cadiens. Garde, faites honneur à votre empereur. Avec plaisir, monseigneur. Cette satanée porte nous barre la route. Dans ce cas, nous allons la détruire. Les commandes ne doivent pas être droites. Soldats, au travail. Nouveau chargeur. Les commandes sont dans cette tour. Servez-vous-en. Mission sécurisée.
après le jeu. Je dois recharger. Recharger maintenant. Nos déplacements à travers cette installation risquent de prendre le temps. Et il suffit de réaménager un petit peu encore, monseigneur. L'installation. Loué soit l'empereur. J'embarque dans une Valkyrie pour vous rejoindre. La voie est libre. Activez-moi ces canons. Allez! On va faire un trou tellement énorme dans ces vaisseaux ruches que vous pourrez faire passer une frégate à travers. Il ne se laissera pas faire sans combattre. Qui ? L'esprit ruche. La puissante intelligence collective des tyrannides. Évitons de le sous-estimer. Major, les canons sont à plat. Il va falloir du temps pour réveiller l'esprit de la machine. Faites vite ! Les tyrannides vont concentrer toutes leurs forces sur ce bâtiment. Ici le Major Sarkana. Redirigez les 2e et 3e pelotons vers les canons orbitaux. Bien sûr, chef. On va leur montrer ce que le 8e régiment cadien a dans le ventre. Mes troupes sont en position défensive. Elles tiendront la ligne. L'ennemi va tenter d'escalader ces murs. Ne les laissez pas faire. Je n'ai pas prévu de les laisser passer. Comment est-ce possible ?
sais pas c'est quand vous s'approchez. Le mur nord a été franchi. Concentrez vos tirs. Feu à volonté. Chargeur. Soutenez-les si vous le pouvez, mais ne traînez pas. Nous devons d'abord nous occuper du système de visée. Oui, monseigneur.
Agence Arcana, nous sommes presque au système de visée. Vous allez devoir déployer manuellement les panneaux de l'antenne satellite. Compris, on va s'en occuper. Major, je vois les mécanismes. Donnez-moi un instant. Soyez sur vos gardes. Les tyrannides vous ont sans doute remarqué. Qu'ils viennent. Repoussez l'ennemi pendant que je m'en occupe. Je change de chargeur. Premier mécanisme activé. Je vous ai failli.
gargouille se dirige vers l'antenne. Chargeur.
devons les repousser. L'ennemi a endommagé l'antenne. Chargement en cours. Me ravitaille. Comment ?
ravitaille. L'Empereur nous protège. La Forge nous fait un superbe présent. Recharge! Bonne armée, ouais. Épuisé.
Ravitaillement en cours. Et mettons-nous au travail. La vermine aînée est en approche. Protégez l'antenne. Ils ont résonné le chant de la mort, cher ami. La vermine ailée est en approche. Protégez l'antenne. Approche.
scène. Éliminez-les. L'ennemi a endommagé l'antenne. L'ennemi a endommagé l'antenne. Servir. Ravitaillement en cours. La vermine ailée est en approche. Protégez l'antenne. C'est parfait. Récupération.
L'ennemi a endommagé l'antenne. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Sécurisé. Je dois me ravitailler. Un instant, mon frère. L'ennemi a endommagé l'antenne.
jamais. Nous devons les repousser. Tyrannite.